Yo les trashers! Dans Pokémon, on compte plusieurs facteurs qui rendent un Pokémon puissant. Vous le savez déjà, mais ça fait du bien de le répéter. Statistiques, type, move pool et talent. On sait que certains Pokémon ne sont bons que grâce à leur talent. Par exemple, Azumarill et son talent Coloforce. Mais même si certains talents sont abusés, vous vous doutez bien que d'autres sont complètement pourris, voire tellement mauvais qu'ils peuvent rendre des Pokémon complètement nuls alors qu'ils devraient être très puissants. La vidéo d'aujourd'hui portera donc sur les pires talents en stratégie Pokémon. Numéro 6. Le premier talent dont on va parler, c'est Normalize. Normalize est un talent très peu connu étant donné qu'il est exclusif à un Pokémon oublié, Delcati. Déjà que ce Pokémon n'a rien pour lui, son talent unique est un désastre. Normalize transforme toutes les attaques du Pokémon en type normal. Toutes. Ce qui veut dire qu'absolument toutes vos attaques seront résistées par le type roche et acier, et surtout que le type spectre y sera insensible. Et j'ai pas à vous expliquer que dans la stratégie Pokémon, avoir 4 attaques du même type est stupide. Vous imaginez un Dracaufeu avec lance-flamme, déflagration, canicule et bout de feu? Bah Delcati c'est pareil, sauf qu'en plus son talent ne lui laisse pas le choix. Poubelle directe. Numéro 5. Le talent suivant c'est Mode Trance, un talent exclusif à Darumacho. Darumacho, monstre offensif de type feu avec un talent extrêmement puissant, sans limite, possède également ce talent très étrange. Celui-ci transforme Darumacho, quand il atteint 50% de ses points de vie, en une autre forme, Darumacho Zen, qui gagne une très grande attaque spéciale et de bonnes défenses au prix de la vitesse et de l'attaque. Sur le papier, l'idée est très sympa. Mais pourquoi avoir fait la transformation dans ce sens? Si la transformation avait eu pour effet de rendre le Pokémon plus rapide, un peu comme Jiancy est lent et défensif à la base, mais méga évolue en Pokémon rapide et puissant, ça aurait pu être jouable. Mais dans un jeu où taper avant l'autre est primordial et où garder ses points de vie l'est tout autant, se transformer en Pokémon lent à la moitié de vos points de vie revient à peu près à donner à votre adversaire une mitrailleuse Gatling en gardant pour vous un lance-pierre. Ce qui rend le truc encore plus triste, c'est que le seul moyen que Darumacho possède pour baisser ses points de vie de manière fiable, c'est d'utiliser Cognobidon, qui boosterait alors sa statistique d'attaque devenue extrêmement faible. Good job, Game Freak. Numéro 4. On reste dans l'idée de la vitesse avec Frein, le talent signature de Tenefix. Ce talent est horrible. L'effet de ce talent fait en sorte que le Pokémon qui le possède attaquera toujours en dernier. Et c'est complètement stupide. Je le répète une autre fois, mais dans Pokémon, agir avant son adversaire est vraiment primordial. Ou, si tu agis après ton ennemi, il faut que tu sois capable de bien tanker les coups. Le Vénard ou Noacier le font très bien. Mais Tenefix, c'est un Pokémon avec des statistiques complètement bidons. Il est complètement incapable de prendre un coup puissant et agir en dernier saignera presque toujours votre arrêt de mort. Vraiment dégueulasse. Ah! Et ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que Tenefix est aussi un des premiers Pokémon à avoir obtenu Farceur, qui a l'effet contraire de rendre prioritaire les attaques qui n'infligent pas de dégâts et qui l'a rendu très fort en stratégie. Numéro 3. Et maintenant, on arrive dans les talents que vous devez forcément connaître. La trilogie des Pokémon qui seraient complètement abusés s'ils n'avaient pas leur talent. Le premier de ceux-là, c'est Aeropteryx. Regardez ses statistiques, elles sont superbes. Son move pool n'est pas en reste et son double type est très intéressant. Mais il y a des fétistes. Parce que ce Pokémon n'est pas foutu d'assumer de prendre des coups, son attaque et son attaque spéciale sont divisées par 2 quand il tombe en dessous de 50% de ses points de vie. Et le Pokémon perd 25% de ses points de vie sur les pièges de roc. Comment ruiner un Pokémon trop cool? Parce que quand on divise son attaque par 2, c'est comme s'il avait la statistique d'attaque de Konotor. Autant dire qu'il n'inflige plus aucun dégât et qu'il ne peut plus faire grand chose. Tellement dommage. Numéro 2. On continue les crève-cœurs avec Débulant, talent de Régigigas. Un jour, je prononcerai bien ce nom. Le dieu des golems, avec des statistiques équivalentes à celles de Groudon ou Kyogre, est rendu complètement useless par son talent qui divise par 2 sa vitesse et son attaque pendant 5 tours. Et 5 tours, les amis, c'est très long dans un match stratégique. Votre adversaire a le temps de faire la danse du poireau, d'aller faire ses courses, de poser son Pokémon de type combat et vous serez toujours lent et faible. Si au moins les tours ne se remettaient pas à zéro lors du switch, ce serait peut-être rentable, mais non. Contrairement à tous les autres effets de climat ou au sommeil, Débulant sera toujours remis à zéro lorsque vous retirerez votre Pokémon, même s'il était devenu rapide. Vous imaginez, vous, un Léviator qui aurait besoin de 5 longs tours pour commencer à faire des dégâts à chaque fois?
Certaines stratégies utilisent cage éclair et onde folie pour essayer de gagner du temps, mais ça limite tellement les options de manière générale que le Pokémon est pratiquement injouable. Nintendo a vraiment déconné sur ce coup-là. Le numéro 1... Et le premier, la grande palme des pires talents du jeu, est bien évidemment attribuée à absentéisme. Je vous refais la discussion de chez Game Freak en 2003. Hey Jean-Claude, j'ai un super concept. On va faire un Pokémon de base tellement puissant qu'il aura des statistiques de légendaire. Patrick, je suis pas sûr que... Il aura un move pool de folie avec des attaques ultra puissantes. Ok, Patrick, t'as pris quoi là? Et on pourra l'avoir au tout début du jeu. Bon, j'appelle l'hôpital. T'as oublié tes... Ouais, mais en échange, il aura un talent qu'il fera attaquer qu'un tour sur deux. Haha, sacré Patrick, tu m'as fait peur. Allez, vendu, on le met dans le jeu. Et voilà comment Patrick a ruiné plusieurs enfances. Des petits bambins mignons qui ont vu la mort en faisant évoluer leur Vigoroth trop cool en monaflémite horrible. Attaquer un tour sur deux dans Pokémon, c'est un suicide pur et dur. Le Pokémon aura beau être un gros bourrin, avoir accès à des supers attaques, s'il ne peut taper qu'un tour sur deux, ça laissera trop d'opportunités à l'adversaire. Et en passant, il suffit d'un Pokémon avec abri pour que monaflémite soit inutilisable. Ouf, le move n'est jamais vu en stratégie. Attends, non en fait, non. Et vous alors, quel talent auriez-vous aimé voir dans ce top? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Pokémon Trash ainsi qu'à ma chaîne YouTube qui fournit du contenu stratégique plutôt cool. Et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss!